Voici comment la vie de Jean-Marc Duchemin a été complètement chamboulée. Celui-ci a gagné au loto récemment. En effet, c'est une somme qui avoisinerait les 100 millions d'euros que Jean-Marc aurait gagné. Le jeune trentenaire passait son temps à regarder les paris sportifs sur son téléphone. Mais le pauvre Jean-Marc ne gagnait jamais le gros lot, jusqu'à ce jour. Cet homme aux capacités intellectuelles rares était au chômage depuis ses 18 ans. Aujourd'hui fut son jour de chance, et grâce à tout cet argent, Jean-Marc a littéralement changé de vie. Le chômeur de toujours a commencé par vendre son petit cabanon perdu au milieu des bois d'une valeur de 38,90 €. Jean-Marc a ensuite acheté une villa à Miami d'une valeur de 30 millions d'euros. Il a notamment fait un don au bar de son meilleur ami Jean-Mi. Bon alors, tu veux combien, Jean-Mi? Autant que tu veux. Ouais, bon. Allez, tiens. Encore. Encore? Encore. Jean-Mi, c'est exagéré là, quand même. Bon. Un petit. Bon, un petit, allez. T'es mon pote, Jean-Mi. Tu sais que t'es mon pote. Alors, on boit un coup là? Allez, c'est parti. Allez! Donc, bonsoir Jean-Michel, c'est comme ça que vous vous appelez? Ah non, ici on m'appelle Jean-Mi. Ah, excusez-moi Jean-Mi. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur le don que vous a fait votre pote Jean-Marc? Jean-Marc est un bon pote. Je le connais depuis très longtemps. Il m'a offert quelques billets. Ça m'a permis de sauver mon bar qui était en faillite. Et là, on est en train de fêter ça. Bon bah merci Jean-Mi et bonne continuation à vous et à votre bar. Merci, jeune homme. Après tous ces achats, Jean-Marc a décidé de prendre une bonne résolution. En effet, il a décidé de se remettre au sport pour perdre ses 38 kilos qu'il avait pris en quelques mois affalés sur son canapé. Pour finir, Jean-Marc a cassé sa tirelire pour s'offrir le bolide de ses rêves, une C15. Et voilà, c'était le fabuleux destin de Jean-Marc Duchemin. Merci d'avoir regardé ce reportage en ma compagnie et on se retrouve prochainement.